Donc je suis Dimitri Armand, je suis dessinateur de bande dessinée et je travaille actuellement majoritairement au Lombard. Le propos, c'est l'histoire de Texas Jack, qui est un homme de cirque dont les exploits sont, on va dire, racontés par le biais de Dime Novel, qui sont écrits par un biographe. Et du coup, à cause de ses exploits, il y a quelqu'un du gouvernement qui vient le chercher et qui lui demande en fait de venir interagir pour mettre un terme aux agissements d'un groupe psychopathe qui sévit dans les terres du Wyoming. Le problème, c'est que lui, c'est un homme de cirque, il est incapable de tirer sur quelqu'un ou d'affronter quelqu'un. En fait, il s'est juste tiré sur des assiettes, mais malheureusement, c'est pas ce qui est dit dans ses récits. Donc en gros, la personne du gouvernement lui dit qu'il est obligé d'y aller, sinon ils vont en gros ternir sa réputation et éventuellement peut-être faire fermer son cirque. Alors au départ, en fait, j'ai fait un premier western qui s'appelle Sykes avec Pierre Dubois, et en fait, j'avais une volonté en fait de faire un one shot avec le Lombard. Donc c'est mon éditeur en fait qui m'a présenté Pierre Dubois et qui m'ont proposé ce projet de western, donc qui était Sykes, et en fait, on s'est vraiment éclaté sur ce bouquin. Et en plus, il y a eu la bonne idée de bien marcher en termes de vente. Et du coup, tout le monde était motivé pour en refaire un autre. Et Pierre Dubois a commencé à écrire dans son coin. On n'était pas forcément au courant. Et en fait, voilà, ça s'est fait un petit peu au hasard comme ça. Au départ, en fait, enfin, pour dire ça entre guillemets, mais je m'en fous complètement du western. J'avais pas forcément d'attirance pour cet univers-là, mais en lisant le scénario de Pierre Dubois, j'ai vraiment adoré en fait ce qu'il a écrit, sa façon d'écrire les personnages, de décrire l'univers. C'est un très très beau conteur en fait, il a un très bon conteur, pas beau, bon. Et du coup, je me suis vraiment éclaté en fait à faire du western. Je pensais pas du tout, mais après, c'est pas un western qui a vocation à être forcément réaliste. C'est-à-dire que je vais pas. Je pense que les puristes, ils vont pouvoir me chercher sur plein de détails. En gros, une arme qui va pas aller à la bonne époque avec tel type de charrue ou j'en sais rien. Donc il y a juste la bonne part, enfin le bon mix en fait entre la documentation pour être un tout petit peu crédible et en gros dessiner le fantasme qu'on a, enfin le fantasme, l'imagerie qu'on a du western en fait naturellement dans la culture populaire. Quand j'ai commencé à bosser dessus, je me suis plutôt imprégné de l'ambiance par des films ou des jeux vidéo. Mais je voulais pas forcément regarder les bandes dessinées parce que j'avais peur en fait de tomber dans la copie. Parce que je pense qu'à une scène donnée, si j'avais vu une scène à peu près équivalente dans un autre album, j'aurais été tenté malgré moi de la copier peut-être inconsciemment, et je voulais surtout pas ça, je voulais vraiment être dans l'ambiance mais pas du tout recopier quoi. Je sais pas vraiment si on trouve l'influence du comics parce qu'en fait Pierre Dubois, le scénariste, a vraiment une très très grosse culture western. Donc il a aussi ses propres influences vis-à-vis de ça. Après c'est vrai que dans cet album-là, le méchant il est vraiment très très méchant et ouais. Au départ j'avais presque peur que ce soit pas assez subtil et en fait le fait qu'il commence l'album en torturant un bébé, j'ai trouvé ça plutôt cool. Enfin, c'est pas du gros spoiler, hein, vu que c'est à 5 pages du début. Sur une page comme ça, par exemple, c'est assez intéressant parce que c'est vraiment là qu'on découvre en fait toute la bande des méchants. Et donc ça permet d'avoir un découpage comme ça un petit peu particulier qui peut peut-être rappeler le comics pour le coup. Enfin, je sais pas, peut-être. Où il y a vraiment chaque méchant, on voit son portrait un par un en train de tirer sur quelqu'un. C'est vraiment pas des rigolos. Et surtout, on termine sur le bébé et on voit le méchant avec le couteau devant le bébé. Et donc là, on ne sait pas encore ce qu'il va lui faire, mais on se dit qu'il ne va pas lui faire des mamours avec. Et je trouve que narrativement, c'est important parce que là, on sent, enfin, tout de suite, on pose les bases du méchant. C'est vraiment le méchant qui est extrêmement méchant et qui est vraiment prêt à tout. Et à partir de là, on se dit, bah, s'il est prêt à ça, en fait, il n'a aucune limite. Et du coup, je trouve que ça le définit bien en tant que gros bâtard. Et voilà. Mais j'aime bien en fait ce genre de découpage quand ça a vraiment un intérêt narratif, c'est-à-dire que par ailleurs j'aime bien avoir des pages qui sont très classiques et quand ça doit raconter quelque chose, là je vais sortir des sentiers battus et du quadrillage plus classique franco-belge pour aller raconter quelque chose. Mais je veux pas que ce soit en gros que chaque page sorte un peu des sentiers battus et que finalement ça ne raconte plus rien visuellement. J'aime bien que dès qu'on tourne la page sur une page particulière, ça se ressemble tout de suite. Par exemple, sur l'album précédent, j'avais fait, à partir du moment où il se passait quelque chose qui choquait l'enfant de l'album, là je pétais complètement les cases dans tous les sens. Pour que dès qu'on tourne la page, visuellement, avant même qu'on lise, on sent qu'il y a un truc qui ne va pas et ça marquait en fait l'impact psychologique sur le gamin. Et j'aime bien jouer là-dessus en fait pour raconter des choses. Là où des fois certaines BD, sans vouloir critiquer ces boulots-là, mais comme chaque page est déstructurée, je trouve qu'à la fin, la déstructuration n'apporte plus grand-chose au final et ça devient un peu un gimmick un peu facile. Et voilà.